Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler, comme vous avez vu, par rapport au titre de mes produits, de mes derniers produits make-up que j'ai terminés. C'est des produits que j'ai terminés il y a plus ou moins longtemps. Je vous avais une vidéo sur mes derniers produits terminés, mes soins, donc du coup je vous mets à disposition la petite vidéo dans le fil. Et donc du coup c'est parti, je vais vous présenter mes produits terminés. Alors du coup, il y a des produits sur tout teint et des mascaras, sinon le reste, j'arrive pas à le terminer. Tout ce qui est palette de fard à paupières, tout ce qui est également blush, bronzer, les produits en fard, j'arrive pas à les finir. Il y a un produit que j'ai pas fini mais que je vais pas terminer puisque je ne l'aime pas du tout. C'est une amie qui me l'a laissé. Je pense qu'elle l'aimait pas, donc du coup elle me l'a laissé, mais moi non plus je l'aime pas, donc voilà. On va commencer par les produits teint, tout simplement dans l'ordre. Donc j'ai fini ce fond de teint, donc qui est le Dior Backstage, que j'ai en teinte 1,5L. Du coup, c'est un fond de teint que j'adore. Je l'ai racheté en plus bien parce qu'il y a 50 ml dedans. Je suis en train de tester un nouveau fond de teint qui est le celui d'Anastasia Beverly. Je ne sais plus c'est quoi le nom du fond de teint, mais je vous le mettrai là juste ici. Du coup, j'aime beaucoup ce fond de teint puisqu'il va apporter vraiment de la couvrance comme on le souhaite, si vous voulez, étant donné qu'il est sa couvrance est modulable. Donc c'est vraiment très pratique et en plus j'aime bien ce côté très frais, il a un petit côté lumineux je trouve également. Franchement il est génial, je vous le conseille à 1000% et à chaque fois que je pourrais le racheter, je le rachèterai parce que c'est vraiment de la bombe et franchement pour le contenant prix, c'est un fond de teint qui vaut le coup puisqu'il coûte 39 € je crois, il y a 50 ml alors qu'il y a des fonds de teint qui existent à 39 € au même prix, il y a seulement 30 ml, donc du coup c'est pas négligeable non plus. Ensuite, le petit Hello Happy. Du coup, je vous avais fait une vidéo entièrement dessus. Du coup, je vous l'avais à disposition dans le petit. Je pense qu'il est là, mais j'en suis pas sûre. Bref, parce que c'est que la deuxième fois que je tourne une vidéo dans ma nouvelle pièce, dans mon appartement tout simplement. Du coup, je l'ai en teinte 2. Ce que je trouve dommage avec ce fond de teint, c'est qu'il n'y ait que 5 ou 6 teintes, je ne sais plus exactement. Il n'y en a pas beaucoup. Ce fond de teint est bien, mais c'est pas un fond de teint qui va couvrir du tout, c'est vraiment un fond de teint qui a la même, dans mes souvenirs, parce que ça fait des mois et des mois que j'ai terminé, c'est une comme si c'était une crème teintée alors que c'est un fond de teint, il apporte pas beaucoup de couvrance. Si vous recherchez un fond de teint hyper couvrant, c'est pas vraiment celui-là que je vous conseillerais, voire pas du tout. Celui-là c'est vraiment pour quelque chose de très naturel. Dans mes souvenirs, je sais plus si je l'aimais bien. Je crois que oui, c'était mitigé, je sais plus exactement, mais n'hésitez pas à vous référer à mon ancienne vidéo, étant donné que ce sera plus simple, étant donné que j'ai fait une revue entièrement dessus. Maintenant, on va parler des anti-cernes, donc j'en ai terminé 3 que j'aime beaucoup. Alors, j'ai terminé celui-là, donc c'est l'effaceur d'yeux instant anti-âge de chez Maybelline New York. Et je l'ai en teinte 22 beige rosé. Donc celui-là, je l'ai eu gratuitement. Je ne sais plus. Parce que si vous voulez, je suis inscrite sur une liste pour tester des produits make-up chez Maybelline. Vous pouvez vous inscrire également. Je vous mettrai toutes les données en barre d'infos. Alors, celui-là, je l'aime bien niveau couleur, niveau couvrance. Même si la couvrance être mieux, c'est pas un cyan qui est hyper couvrant, mais il va bien corriger étant donné que la couleur que j'ai prise elle est un peu jaune, du coup j'aime beaucoup. Le seul inconvénient par rapport à ce produit, c'est qu'il y a un embout mousse. Je trouve ça pas très pratique en plus. Je sais pas si c'est bien voir, mais au niveau du bouchon c'est vraiment sale. Là pour cette vidéo, je fais pas plein de produits parce que ça sert pas à grand chose, puis j'ai pas envie. Enfin, désolé, hein, mais bon, ça sert à rien vu qu'ils sont terminés. Donc du coup il est bien, sauf que là, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, au niveau de cet œil là, j'ai beaucoup plus du mal à couvrir la couleur bleue que de ce côté là. Et je sais pas si c'était le fait que ce soit la fin ou que ça faisait quelques mois que je l'avais ouvert, mais ça couvrait pas exactement, ça couvrait mais ça couvrait pas à 100% la couleur. Donc du coup voilà, je pense que je rachèterais, mais j'ai beaucoup d'anti-cernes à tester, donc pour le moment
je vais pas l'utiliser. Du coup, je vous montrerai après lequel que j'utilise pour remplacer tout cela. Parce que du coup, elles sont toutes vides. Alors là, c'est le HD Studio Photogenic de chez NYX. Alors, je l'aime beaucoup. La couleur que j'ai prise, elle me va parfaitement. C'est la teinte porcelaine. Franchement, je l'aime beaucoup. Au niveau de la couvrance, il couvre, enfin, non, ça ne comprend non plus. Mais franchement, il couvre super bien les cernes et la couleur. Et franchement, j'aime beaucoup l'embout. Il est très pratique au niveau de cet embout. Je préfère les embouts comme ça que les embouts mousse. Parce que je trouve que les embouts mousse, c'est pas spécialement hygiénique. C'est-à-dire que vous mettez directement dessus avec ça aussi. Mais je trouve que c'est mieux, étant donné que là, dans cela, vous plongez le pinceau dedans, alors que là, il faut twister, et du coup, quand vous refermez, bah, si on met sur le capuchon, il suit le capuchon, il y a une crotte, vous pouvez choper des petits boutons, etc. Donc celui-là, je le rachèterai avec plaisir également. Celui-là, l'accord parfait, je l'utilisais en combo avec celui-là. Au niveau de... Donc du coup, c'est le Chou Match, et il est en teinte... Ivoire rosé 1.RC. Du coup, il est bien, mais il ne va pas apporter de couvrance non plus. Contrairement à celui que je vais vous présenter juste après, il est beaucoup plus couvrant. Celui que je vais vous présenter, pas celui-là. Je l'aime beaucoup parce qu'au niveau de la fluidité, il est vraiment très fluide, il est très agréable sur la peau, il ne bouge pas, il ne file pas dans les ridules. Franchement, c'est une texture qui est très agréable, qui est beaucoup plus liquide que les autres, mais ça ne me dérange pas trop. Donc je pense que je le rachèterai, mais pas dans l'immédiat, étant donné, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs anti-cernes à tester. Et c'est pareil pour les compagnons, j'en ai une boîte entière qui ça déborde un peu partout, donc du coup voilà. Et du coup, celui que je vais vous présenter en dernier, c'est un ancien de chez NARS. Je sais pas c'est quoi le nom, je crois que c'est le Radiant, je suis pas sûre. Donc, de toute façon, je vous mettrai tous les produits en barre d'info si ça vous intéresse. Du coup, c'est en teinte vanille. Celui-là au début, je ne l'aimais pas trop puisque je trouvais que ça m'a séché le contour et que ça filait grave dans les ridules. Mais j'ai appris grâce à une make-up artist de chez NARS qu'il faut travailler souvent les produits teints avec le doigt. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas spécialement aimé non plus. Mais là, ces derniers temps, quand j'utilisais un combo avec un autre anti-cerne, je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'il est bien couvrant. Au niveau de la matité, il est mat, mais sans assécher trop le contour. À mon avis, c'est que je devais utiliser des mauvaises crèmes pour le contour des yeux, étant donné que maintenant, celui-là, j'aimais beaucoup. Moi, bon, désolée, ça plaît, je sais pas ce que vous êtes en train de dire, du coup, mais c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup à force de le travailler. Je pense que plus il vieillit, plus le produit vieillit, plus il devient couvrant et plus il devient de meilleure qualité, entre guillemets. Du coup, je pense que je le rachèterai. En fait, tous les anti-cernes que je vous ai présentés, je pense que je les rachèterai puisqu'ils sont bien. Surtout celui-là, je l'ai toujours aimé. Et du coup, celui-là que j'aime beaucoup maintenant. Malheureusement, j'en ai plus en ce moment, mais franchement, je le rachèterai avec plaisir puisqu'il est très bien. Je vais vous en présenter un autre puisqu'il est bientôt terminé. Du coup, celui-là, c'est le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Il est en teinte R22. Donc celui-là aussi je l'aime bien. Au niveau de la, par contre, de la petite pipette, c'est très embêtant, étant donné que quand il n'y en a plus beaucoup, comme là, si vous voulez, c'est un tube comme le dentifrice, mais je trouve que c'est assez dur de faire sortir le produit qu'il y a à l'intérieur alors qu'il est encore, il n'y en a pas énormément en quantité, mais franchement il y en a encore assez pour que je puisse l'utiliser encore, je sais pas, une vingtaine de fois. Mais du coup, pour vous appuyer, le produit, soit il a du mal à sortir, soit que dès qu'il sort, et bah, il en sort en très grande quantité. Donc du coup, j'en ai 10 fois trop de temps en temps. Donc du coup, j'utilisais en combo avec celui-là aussi. J'utilisais avec mon fond de teint de chez Estée Lauder, que pour le moment, je peux pas le mettre étant donné que c'est ma teinte d'été. Il faut que j'aille le racheter, mais très cher. Donc je vais pas le racheter puisque j'ai d'autres teintes, comme je vous le disais, à tester également. Franchement, je l'aime beaucoup. Au début, au tout début, j'aimais pas trop la couleur puisque c'est une couleur rosée. Alors j'ai un
teint qui normalement doit porter des teintes en fond de teint, en anti-cerne, des teintes avec des sous-tons rosés, étant donné que j'ai la peau un petit peu rose. Mais personnellement, je préfère 10 fois plus quand je mets des fonds de teint avec un sous-ton jaune, puisque je trouve que ça atténue quand même les rougeurs. Et franchement, je préfère le sous-ton beige, enfin jaune, étant donné que ça va apporter une correction en plus, en tout cas pour ma part, et j'aime pas trop, puisque j'aime bien avoir quand même un teint un petit peu allé sans que ça fasse trop faux non plus. Donc du coup, voilà, pour que je pose cet anti-cerne-là, je vais le finir, mais franchement, si je peux le racheter, je le rachèterai également. On va continuer avec le teint, et on va parler de poudre maintenant. Donc j'ai 3 poudres à vous présenter. Celle-là, je sais pas trop si je vais la finir, tiens. Non mais il reste, enfin j'ai du mal à faire sortir le produit. Donc du coup c'est la Master Fix de chez Maybelline New York que j'aime beaucoup. Au niveau du flashback blanc dans mes souvenirs, celle-là n'en fait pas, franchement je l'aime beaucoup. C'est la Ultra HD Studio de chez la marque Nikon Forever qui fait blanc quand vous prenez en photo. Et même quand vous prenez pas en photo, je trouve que ça fait hyper blanc. Je l'ai encore dans les tiroirs, il faudrait que je la termine. Mais franchement, voilà. Ouais. Celle-là, elle est hyper bien. Elle apporte vraiment la matité qu'il faut. Par contre, il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Il y a 6 grammes, alors que la Laura Mercier, il y en a 20. Même si c'est 2 fois plus cher que celle-là, au niveau du contenant gris, c'est mieux d'acheter la... une poudre de chez Laura Mercier qui fait L29g. Mais franchement, cette poudre, je l'avais gagnée un concours de Juicy Juice. Du coup, je l'avais rachetée puisque je l'avais beaucoup aimée. Donc elle va matifier, elle va fixer et elle va parfaire. Comment ça se dit ? Parfaire le teint. Franchement, j'aime beaucoup. Je connais pas si bonne. J'aime beaucoup, franchement c'est une poudre que je vous conseille également. Elle va pas sécher votre peau du tout, franchement elle est bien. Je sais pas si ça existe en couleur, parce que là c'est une teinte translucide, mais franchement je l'aime beaucoup. Donc j'ai également terminé une poudre de chez Laura Mercier que d'ailleurs j'ai racheté. Je crois que c'est... Par contre je l'ai pas acheté la même. Il y a une petite différence entre le nom, mais au niveau du contenant c'est la même, le même poids. Plus que je fasse attention de ne pas acheter la mauvaise. Ouais, il en reste un petit peu mieux. Celle-là, c'est celle qui est pleine. On va la poser de côté. Donc du coup, celle que j'ai terminée, bon, il y en a encore en fait. Mais attendez, je comprends. En fait, il y en a encore en fait. Mais bah bon, bref. Du coup, on va dire que j'ai quasiment terminé. C'est sorti du coup. Donc là, c'est la Loose Dating Powder. Du coup, elle va apporter vraiment de la matité comme il le faut. Elle va laisser quand même le côté glowy au fond de teint que vous allez mettre. Mais franchement, cette poudre, elle est magnifique. Surtout au niveau du contour des yeux. Je la trouve géniale. À part vous dire ça, je l'aime beaucoup. Et il y a ensuite la Translucent Loose Dating Powder. Je comprends pas parce que... Je pense que c'est juste la teinte qui change du coup. Il y a Loose Dating Powder pour les deux. Et c'est écrit translucent. En tout cas, elles sont géniales toutes les deux. J'ai l'impression qu'elles ont le même rendu. Du coup, je vois pas trop pourquoi il y aurait une différence. Mais je ferai une petite recherche quand même. Là, du coup, en dessous, c'est écrit poudre libre fixante. Et dans celle-là, vous avez poudre libre fixante transparente. Donc, je sais pas, je pense que c'est le... Ça doit être la teinte qui change. Mais c'est translucent. Bref, je sais pas. Et franchement, foncez à 1000% pour celle-là. Ensuite, celle-là, je la déteste. En vrai, je pense que... Du coup, ce que j'aime pas déjà, c'est la petite houppette comme ça. Et en plus, ça pue. Dire ça vulgairement, ça pue le plastique, je trouve. Au niveau de la poudre en elle-même, je sais pas trop, mais franchement, je l'aime pas du tout. Donc, du coup, c'est l'Invisible Touch Face Fixing Powder, donc poudre de fixation pour le visage de la marque Kiko Milano. Franchement, je l'aime pas.
Niveau odeur, c'était pas possible pour moi de mettre un produit sur mon visage, que je n'aime pas du tout l'odeur, étant donné que c'est. Même si une fois que vous l'avez mis, vous ne le sentez plus. Mais quand vous appliquez la poudre, ça rentre dans vos narines, donc du coup, ça assèche l'intérieur de votre nez. Donc franchement, je n'aime pas du tout au niveau de l'odeur et même de la sensation sur la peau. Dans mon souvenir, elle n'est pas. Puis en plus, c'est quoi ce truc? Franchement, ça donne la peau toute lisse, c'est très doux, mais au niveau. Voilà, j'ai les bouchées, mais je peux pas les mettre. Psychologiquement, je peux pas. Bref. Après, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez de l'odeur, et même ce que vous en pensez de la poudre en elle-même, parce que moi, il en reste pas mal dedans, mais je ne vois pas l'essayer, enfin la mettre, tout simplement. Ensuite, niveau teint, on a terminé, on va pouvoir passer aux yeux. Donc, j'ai uniquement 3 mascaras à vous présenter et un petit liner. Mais du coup, que vous enverrez dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner, mais je vous ferai une vidéo sur mes eyeliners préférés et ceux que je n'aime pas. Il y en a plus que je n'aime pas qui sont mes préférés, mais je vous en ferai une avec plaisir. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur les mascaras. Et franchement, ils sont toutes aussi géniaux les uns des autres, étant donné qu'il va dépendre vraiment de la longueur, du volume un petit peu. Plus de longueur, c'est ce que je recherche vraiment dans un mascara, mais franchement, ils sont géniaux tous les trois. Donc là, au niveau du prix, il y a suite, je vais vous le mettre dans le prix le moins cher ou plus cher. Nous avons le Cinescope de chez Sephora Collection. Franchement, il est magnifique. J'ai découvert la partie Sandrea, mais je ne regrette pas du tout de l'avoir ouvert parce qu'il est génial. Je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas racheté, ils ont donné. J'ai un autre combo de mascara que je vais vous montrer juste après, même si vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Donc, franchement, celui-là, il est génial. Il est ultra black, waterproof. Et franchement, il est de la bombe. Et je trouve que c'est vraiment le dupe parfait de ce mascara, c'est le Bad Girl Bang de chez Benefit. Je trouve qu'ils ont la même fonction, franchement, ils sont géniaux. Si vous avez un plus petit budget, je vous conseille 1000% celui-là. Si vous avez un plus gros budget, vous pouvez acheter celui-là sans hésiter. Moi j'ai la miniature, mais il existe en grand format. Au niveau mascara, j'aime bien en tester plusieurs, donc du coup je préfère maintenant les petits formats, comme ça me permet de changer un peu tous les mois, puisque j'essaye de vraiment finir. Dès le jour, un mascara, j'essaye de le finir parce que c'est quand même un produit qui a une date de préhension. Vous avez un petit pot avec le mois écrit dessus, donc du coup en général je préfère l'utiliser. Il y a juste le mascara que je vais vous montrer juste après pour lesquels je le remplace. Et du coup il y a le Better Than Sex de chez Too Faced. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc là les deux c'est des brosses en silicone, j'aime beaucoup. Et là nous avons une brosse en poils. En plus, c'est bon. J'aime trop l'odeur du mascara. Mais celui-là il est vraiment génial également. Au niveau de la quantité prix, je vais comparer les deux. Ils n'ont pas vraiment la même fonction tous les trois, mais j'ai essayé de comparer ces deux-là. Celui de chez Benefit et celui de chez Too Faced. Non, mais là du coup je peux pas trop comparer quand même que c'est la miniature celui-là. Mais là vous avez 80 ml, donc ce qui est pas mal. Là vous avez. Je peux pas rien en gramme parce qu'il n'y a pas de crème. Donc là vous avez 1 gramme en 1 ml en plus que dans celui-là. Mais franchement au niveau du rapport qualité-prix, il vaut des sous également puisqu'il apporte vraiment de la longueur. Celui-là il apporte un petit peu plus d'épaisseur par rapport à ceux-là. Franchement c'est des mascaras que je rachèterai avec plaisir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Maintenant passer à ce petit eyeliner que je déteste. Du coup c'est le Zerwheel Push Up Eyeliner de chez Benefit. Franchement il est vraiment détestable. Au niveau du packaging il est très beau, mais c'est au niveau de la matière, enfin là il a séché. Donc en gros si vous voulez vous pouvez twister pour faire sortir le produit. Alors, je sais pas, je crois que je l'ai cassé. Bah j'ai cassé. Tant pis, bref. Franchement il est vraiment nul étant donné que c'est un. C'est comme si c'était un, vous savez, un eyeliner en gel. Bah je crois que c'est ça parce que la mine. Nul. Alors ça je sais pas trop quoi vous dire, mais. Au niveau de la noire. De la noircité. Au niveau de. Ouais, je peux pas faire ça.
Au niveau de l'intensité, il n'y a pas d'intensité. Quand vous voulez tracer un trait, la mine se casse. C'est pas pratique quand vous allez passer votre, quand vous allez dessiner votre trait, il va se casser, donc du coup ça va vous faire des pâtés. Franchement, je l'aime pas du tout. Heureusement que je l'avais pas payé. Vous savez, dans les petites pochettes que Sephora donne de temps en temps, mais franchement, je le déteste. Du coup, je le rachèterai pas. Je crois que j'ai jamais mis, mais enfin, j'ai mis pour le tester, mais j'ai jamais mis vraiment tous les jours. Sinon, je l'ai remplacé. C'est pas le même style d'eyeliner par contre, mais je l'ai remplacé par celui-là. C'est le Hyper Prices All Day de chez Maybelline. Je voulais tester le In Pink Liner de chez NYX parce que j'en ai entendu parler beaucoup de bien dessus. Malheureusement, quand je suis allée dans L'Oréal Outlet à Pont-Sainte-Marie, ils n'avaient pas le In Pink Liner, donc du coup j'ai pris celui-là. C'est une dame qui me l'a conseillé. Franchement, je ne regrette pas du tout parce qu'il est vraiment facile à utiliser. Il est très noir, il glisse tout simplement, il vous fait un trait pas épais. Donc moi je secoue en général tout le temps à mon utiliser. Mais il ne fait pas de trait épais, franchement il est noir, vous pouvez vraiment tracer des traits hyper fins. Et vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme des malades dessus. Franchement, il est génial. Au niveau des produits terminés, bah, j'ai terminé de tout ce que je voulais présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et je vais bientôt vous filmer une vidéo sur mes produits terminés soins, puisque j'ai beaucoup plus de facilité à terminer mes produits soins, étant donné que je les mets tous les jours. Au niveau du make-up, j'aime bien changer tout le temps de style. Par exemple, lundi, je peux mettre un truc assez foncé au niveau des yeux, un peu look vamp, et le lendemain, je peux mettre du nude, genre du rose pêche, enfin, je passe du coq à l'âne, si on peut dire ça comme ça. Du coup, voilà. Du coup, étant donné que je suis dans mon appartement maintenant, je vais pouvoir vous faire une vidéo très bientôt sur une palette, une semaine, avec une palette, une semaine. Une semaine, une palette. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer différents looks avec toutes les palettes que j'ai. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur laquelle que vous voudrez voir. Je pense que je ferai sur des Anastasia Beverly Hills, puisque j'en ai acheté deux dernières. Non, le week-end prochain, je filmerai une vidéo sur les deux dernières palettes que Anastasia a sorties en collaboration avec des youtubeuses. Il y a celle de Cardi B. Bible, que je vais tester cette semaine, puisque je n'ai pas eu l'occasion de la tester, j'ai utilisé une seule fois, mais encore je me suis dépêchée parce que je n'avais pas trop le temps. Et il y a aussi celle-là, Jackie Aina. C'est embêtant parce que sur celle-là on ne sait pas le nom. Je pense qu'on le fera sur une des Anastasia, ou enfin je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir, en sachant que j'ai, je vais vous donner les marques que j'ai. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir comme première vidéo avec une semaine de palette. Bon, même s'il y a des palettes que je n'ai pas forcément, dites-moi ce que vous voulez voir, je les achèterai avec plaisir puisque je suis une fan inconditionnelle de palettes de make-up, surtout pour les yeux. Donc du coup voilà, sans plus tarder, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez passé un bon moment en votre famille. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Je vous mets également les réseaux sociaux Instagram et Snapchat juste ici. Et donc du coup voilà, sans plus tarder, je vous laisse, je vous souhaite de prendre grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!